Alors ici, donc ça sera Marie de Médicis. D'accord. Ici, ça sera Marie de Médicis. On va reconstituer son mariage. D'accord. Voici donc Christine de France. Ici, c'est Christine de France, qui est devenue donc duchesse de Savoie, et qui était la fille d'Henri IV. En venant duchesse de Savoie, elle a gouverné donc la Savoie. Voilà. Et tout à l'heure, nous allons reconstituer le mariage de Marie du Médicis avec Henri IV. Alors, rendez-vous tout à l'heure sur le pont. Et tu fais les têtes d'en haut et d'en bas. Voilà. Bon, alors, on va reculez-vous, on va se préparer. Alors, vous avez les assurances Lugan de Lyon. Vous avez les assurances Dugan de Lyon qui vont nous faire un chouette film avec plusieurs caméras. Je ne fais pas de réclame pour Ali, mais je vais le cacher quand même. C'est dommage. Mais attendez. Ah, c'est pas un problème. On peut recommencer, si vous voulez. Nous allons démarrer pour ce défilé, pour ce deuxième défilé. Avec le sourire, bien sûr. Et quand nous serons donc en bas, il faudra crier tous ensemble, quand je vous le dirai, « Vive la reine !» Et essayez un coup, allez. Vive la reine ! Vive le roi ! Voilà, et puis après, on va... Vive le jouet ! Voilà. Alors, donc... On a des assurances du GAN de Lyon qui sont venues donc avec plusieurs caméras pour filmer. Et vous saurez tout par la suite. Bon, alors maintenant nous allons, on va faire comme hier, celle qui porte la robe bleue. Tiens-moi le micro, comme ça, moi je suis plus jeune que ça. Alors celle qui porte la robe bleue, 3, numéro 1, elle se met là-bas. C'est bon. Comme elles connaissent bien leur nom, hein, Catherine de France. C'est pas le cas. Comment? Ah ben, prenez... ouais, ben ça va. Je le rends en plus. Diane de Poitiers, fille d'Henri IV. Anne de Bretagne.
Michel de Montpensier, la jolie petite. La bleue. Et la petite Autriche. La princesse des Flèves. Ok, ça marche. Gabrielle Destrée, la belle Gabrielle Destrée. La Gabrielle Destrée, celle qui porte la robe rouge. Elle était là, elle est là-bas, la rouge. Oui, oui. Henriette de Balzac, la robe grise. Elle a une photo. Le comte de Saint-Vallier, le monsieur n'est pas là. T'as pas ta carte, hein? Pas d'épingle, hein? Pas d'épingle, hein? On peut les applaudir bien fort. Le mariage de Catherine de Médicis et d'Henri IV, dont plus de 50 figurants. Et je vous rappelle donc que ce défilé est signé par le tailleur lyonnais Élie. Le mariage de Catherine de Médicis et d'Henri IV, dont plus de 50 figurants. Et je vous rappelle donc que ce défilé est signé par le tailleur lyonnais Élie.
Il y en a combien?
cette année, le comité des fêtes de Mont-Salomon vous présente son défilé avec à l'avant la Fonda Saint-Michel du Puy-en-Velay. Et juste derrière le carpodium, la reconstitution en habit historique, la reconstitution, donc disais-je, du mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV. Donc je crois qu'on peut les applaudir très fort. Donc je vous rappelle que ces costumes sont signés par le tailleur lyonnais Eli. Vous êtes offert par votre comité des fêtes de Pont-Salomon.
Bréjean, la Bamba Saint-Michel qui nous vient du Puy-en-Velay. Juste derrière nous, le mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV par plus de 50 figurants, donc en costume Renaissance. Donc je vous rappelle que si vous désirez des photos de ce défilé, de la bande du mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV, vous pourrez donc les retrouver au podium d'animation sur les fenêtres de la foire dès cet après-midi. À Dupuy-en-Velay, juste derrière le car podium, donc le mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV. Qui vous est présenté par donc plus de 50 figurants donc en costume Renaissance. Et à la Brocante, cette foire de Pont-Salomon, qui, rappelons-le, est classée 5e foire nationale. Et après avoir appris le métier de tailleur, j'étais donc au Puy-en-Velay et je faisais des soutanes et des douillettes. Donc maintenant, il n'y a plus de jésuites, plus de douillettes, plus de soutanes. Mais vive les robes de la cour d'Henri IV. J'ai appris donc ce métier de couturier au Puy, en étant placé dans une maison, une association, et cette association a été créée par le père de monsieur Jacques Barrault, et il recevait donc tous les enfants qui étaient seuls. Je vous en dis pas plus. Donc merci à monsieur Barrault et un bravo pour monsieur Barrault. Et nous allons commencer maintenant avec Élisabeth de France. Applaudit très fort. Anne de Bretagne. Et tous ces costumes sont portés par des gens de Pont-Salomon. La duchesse de Longueville, qu'écrivit les mémoires de Royal. Eh bien, bonjour, Madame la Duchesse. Comment allez-vous? C'est bien. La Duchesse de Montpensier. De ce temps-là, il n'y avait pas d'escalier si haut, je crois. On a appris à marcher en quelques jours, hein? Marguerite d'Anjou, en violine. Un pays où il y a du très très bon rosé, le rosé d'Anjou. Et il y en a quelques-unes que vous allez voir passer à Sacrée Soirée dans quelques temps, vous allez voir. Princesse de Clèves,
Voilà, on l'applaudit très très fort, la princesse de Clèves. Regardez comme elle est jolie. Oui, mais Élie, on me disait qu'elle avait... Des manches en or. Jolie, mais avec un très mauvais caractère, paraît-il. Ah bon, alors... À cette époque-là, à cette époque, ah, bah, hein. Alors. À l'époque. Ça n'a pas changé, hein. Mais il y a la duchesse de Montbazon, là. Vêtue de rouge. Regardez comme elle est mignonne dans cette robe rouge. Avec 200 perles. Catherine de France. Elle a marché sur ses voiles. De Balzac, couronnée il n'y a pas longtemps. Marguerite de France et le prince. On applaudit le prince! Voilà, et pourquoi pas Marguerite? Anne-Marie d'Orléans et le prince. On voit les chevilles, hein? Pas qu'on voit les chevilles, hein? Alors, hein? Et c'est sous vos applaudissements qu'Elisabeth Ier arrive. Pas de poche. Marie Stuart, qui désire beaucoup d'applaudissements aussi. On l'applaudit très fort. Marguerite de Valois. Ah, voyez comme elle est belle, regardez un ça. Ah oui, on peut marcher à côté parce qu'elle est vraiment belle, hein. Viens là, viens là. Anne d'Autriche. Ah ben oui, mais... Gabrielle d'Estrées, la belle Gabrielle d'Estrées. Vous savez tous qui était Gabrielle d'Estrées, la maîtresse d'Henri IV. Elle a eu donc 3 enfants avec Henri IV, bien sûr qu'il l'a reconnue. Regardez comme elle est charmante. Henriette de France. Elisabeth de France. Christine de France. La fille d'Henri IV qu'on applaudit très fort. Elle est devenue duchesse de Savoie. Elle a gouverné la Savoie. Et elle a fait des pistes de ski pour vous, voyez. Marie-Louise Labbé, la belle Cordière, la fille la plus intelligente de la cour. Et d'ailleurs, si vous allez à Lyon, vous verrez Place des Cordeliers. Voilà. Diane de Poitiers, qu'elle est jolie dans sa robe verte. Là, là. Et
et voici Marie Stuart qui défile donc pour la première fois dans cette jolie robe. Elle n'a jamais été portée encore cette robe, vous voyez, on l'applaudit très fort. Notre ami le curé, Félicien Lafroule, on peut l'applaudir très fort, grâce à lui on a trouvé le sourire ici à Pont-Salomon. On l'applaudit très fort. Pour porter ses robes. Regardez comme ils sont charmants. Et ces petites filles, regardez. On vous entend pas assez. Applaudissez encore plus fort tous ces enfants. Alors donc, il y a toutes ces princesses et toutes ces dames de la haute diplomatie qui accompagne Marie de Médicis pour se marier ici à Pont-Salomon. Alors là, on enlève. C'est monsieur Henry qui enlève ma carte. Alors là maintenant, c'est du sérieux. Est-ce qu'ils vont dire oui, est-ce qu'ils vont dire non? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ne croyez pas, Jean de Pont-Salomon, qu'à cette époque, le roi se mariait par amour. Non, jamais. Si Henri trouvait les yeux de Marie fort beaux, c'est qu'elle était la plus riche. Hein? Permettez, madame, que vous soyez remis maintenant quelques cadeaux de bienvenue offerts par la plus grande parfumerie, Giorgio Strelli, que vous trouverez ici à la foire. Mon bon chargeur va vers le camion, raquette une prise. Bah ouais, je te demande. Donc tous ces cadeaux maintenant qui sont remis à la reine a décidé de les remettre à toutes celles qui portent les robes, ainsi que les enfants et pourquoi pas les princes aussi. Apportez tout ça ici, là. Eh bien voici tous les parfums offerts par la maison Giorgio Strelli. Pour les hommes, les femmes et les enfants. Et il y a aussi les caméramans des assurances Cannes qui nous filment et qu'on pourra voir donc le film de cette journée. Alors, les boîtes noires sont pour les hommes. Les blanches sont pour les dames. Et pour les enfants, ce sont les petites boîtes carrées. Allez. Alors, si un jour vous désirez faire une fête comme celle-ci, il suffit de trouver des sponsors pour donner des cadeaux aux princesses et elles seront prêtes pour faire des défilés pour vous. Voilà. Donc merci à la municipalité de Pont-Salomon, merci au comité des fêtes, merci à tous ceux qui nous ont aidés pour préparer cette animation. Que la
parfumerie qui offre ce cadeau à toutes ses princesses se trouve tout de suite ici à ma droite, la maison Giorgio Strelli. Que vous allez... Et vous pouvez aller vous faire parfumer en passant encore. Alors on demande ici le parfumeur. De la maison Giorgio Strelli. Voilà, on applaudit monsieur Giorgio Strelli, le parfumeur lyonnais qui a offert ce gros cadeau à la reine pour distribuer aux princesses. Voilà, eh bien merci beaucoup et j'espère vous revoir d'autres fois ici sur ce podium. Très fort. Alors maintenant les enfants, vous êtes invités sur le manège à faire un tour de chevaux de bois. Alors vous y allez avec vos costumes et vous allez faire un tour de manège gratuit, sans vous salir, sans vous déchirer et sans pleurer. Et monsieur le curé était invité au bar pour boire son pastis. Il faut se trouver tous ici sur le stade.
Alors toutes les filles, toutes les princesses, tous les petits garçons, et pourquoi pas les princes, tous sur le stade. Merci. Je fais passer comment en fourrure en blanc, juste sur le blanc je fais passer avec une image. Ça, si je fais une image, ça, c'est je fais passer au début de ta cassette, heureusement que j'ai pensé à 3h du matin. Voilà, et ben on va lui porter un micro. Le verre à la main, petit mot, mais c'est le verre d'amitié. C'est comme votre nom entier, c'est une règle d'or à laquelle nous sommes profondément attachés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence est témoignage de sympathie, témoignage d'encouragement. À la fois pour la municipalité et pour la commune, je prends aussi le comité des fêtes. Le maire de l'Italie, le maire de
Il y a aussi les grands et il y a les nombreux verts ici. Que tout cela, cher Henri Rousson, aussi réponde à ton grand souci de maintenir vivante et riche notre avenir. Merci. Bravo au Parlement. La bise. Cette vidéo vous présente...